Allez, salut les gars, comment ça va? Non, je ne suis plus aux toilettes. Non, je ne suis pas incontinent, bande de salopards. Ah là là, ouais, ça devait être à 9h, mais j'avais dit tranquille. En plus, comme vous l'entendez, je parle bien du pif. Alors, je vais essayer de leur dire bonjour à tout le monde dans l'ordre, sans oublier personne. Salut Tintin, salut Mika, salut Poulet, salut Franchou. Salut Mickaël, qui j'ai oublié? Non, c'est bon, j'ai eu tout le monde. Distronte sur le trône, c'est presque ça. Ah non, là tranquille ce matin, à la cool. Il y a trois lives aujourd'hui, on va y aller tranquille. J'ai bien allumé mon micro, c'est bon, tout le monde m'entend bien. On est bon. Bon bah du coup non, pas expédition parce que je suis pas tout seul à la maison et du coup le salon était pas spécialement dispo. Donc du coup c'est sur PC, dans mon bureau, tranquille. Donc voilà. Voilà. Donc on est bah, sur Palunier, hein. En ce moment on fait un peu que ça. Comment allez-vous du coup? Bah merci déjà pour tout vos bon anniversaire. Salut Jimmy. Bienvenue. Alors. Je me suis fait une petite ferme, vite fait ce matin, vite fait. Mais je me suis tapé un délire. J'ai du vieux matos, du nouveau matos, et des trucs qui n'ont rien à voir dans une ferme, mais du coup c'est mort. Comment ils vont du coup là? Et je suis pas au rouge, hein, je suis au coca. Hein. Pour essayer d'atténuer un peu la gorge. Bon, du coup voilà, on va juste jouer tranquille entre nous. Pépère ce matin. Avec du bâtiment de massette, bien évidemment. Pour ne pas changer. On est sur sa map. Donc du coup, voilà, je me suis mis hop, ici, sur la map. Sur des champs qui sont relativement plats. Ah, bah du moins ici, hein, parce que là, toute cette partie-là, c'est pas plate. Elle n'est pas plate. Mais là, c'est plat. Donc voilà, on est là-dessus. On va se faire un petit délire là sur. Ouais, on part pour 2 heures de live à peu près. Merci, Jimmy. On va jouer entre nous. Mika, ça y est, ça commence. Bon, j'ai deux nouveaux petits sons aussi sur le stream deck, mais on verra ça plus tôt ce soir, hein, parce qu'on est plus dans le PEGI 18 là. Mais bon. Alors, du coup, petit bâtiment de fer. Alors, j'ai voulu faire un gros décalage aujourd'hui. Hein. Vous verrez, on a un vieux bâtiment, mais avec du matos des fois très récent, voire tuning. Donc, je me suis pris une petite Mazda MX-5 tuning. Voilà, histoire de pouvoir aller plus vite faire les courses. Hein, et puis histoire de bien foutre le bordel dans Paligny. Salut Jordan. Welcome. Du coup, bon bah petite déco massette, hein, bien évidemment. Donc là on est sur du full massette, hein, quasi, sauf le silo, c'est pas un massette, mais. J'ai quelques voitures en plus, parce que vous savez, l'agriculture, ça paye pas, mais par contre YouTuber ça paye. Donc comme je suis YouTuber et que tout le monde le sait, on gagne des millions d'euros. Je me suis acheté donc une petite M4 et une Aston Martin pour aller au restaurant avec madame. C'est un peu plus classe quand même. Sans déconner, on a du très très gros matos, hein. Un Hurleyman, voilà, de 110 chevaux, avec une très très grande benne farm deck. On a un Kramer, pareil, 100 chevaux, hein, avec un petit semoir en 5,20. Si je dis pas de conneries. Et après, dans le délire, on a un avion de chasse de chez Fendt, une petite katana, une petite ensileuse qui va bien avec une petite Ben Crown et un petit 724 de chez LSFM. Voilà, qui est magnifique. Ah ouais, non mais attends, celui-là, pour ceux qui ne le connaissent pas, en version camo full tuning, hein, mais la katana aussi, elle est délire. J'ai la même en chrome, avec plein de délire, plein de couleurs. Le orange, ah le orange, bah oui, mais le orange, ça c'est un amour de il y a longtemps. Petit Hurleyman, alors modub, hein, le Hurleyman, hein. Dispo console et PC. Hein. Il y a deux versions d'ailleurs. Ça, c'est la version qui monte jusqu'à 158 chevaux, je crois. Salut Delta, bienvenue.
J'aurais bien voulu un signal avec le crâne et un posé, ouais. Ah, le Trisix, le Trisix, j'ai voulu en télécharger un il y a pas longtemps. Et je sais pas, il doit être buggé, impossible de l'avoir dans le jeu. Salut Aquel. Comment ça? Merci. Merci, merci. Salut Monsieur Meyers. Comment va Monsieur Meyers? Ah là là. Bon, du coup, ah oui, alors, moi se battre, attention. Pour ceux qui me connaissent, vous l'avez déjà vu dans une autre couleur, mais je me suis lâché. J'ai pris l'avion de chasse de perdu, de seul au monde. Et oui, la Fortrift. Voilà, le mot imprononçable. Une bonne grosse moisbatte avec une très grosse capacité, bien évidemment. MW2, pardon. Attends, j'ai raté un truc. Ça fait cher en occasion 43. Ah, MW2. Le complet? Le complet, cher. J'ai envie de te dire, c'est cher pour un jeu d'occasion. Ce qu'il y a, c'est qu'MW2, aujourd'hui, il y a encore tellement de gens qui sont dessus. Parce que personne ne veut aller sur MW3, ou du moins pas grand monde. Que 40 balles pour un jeu comme ça, complet, c'est son prix. C'est pas peu cher et c'est pas excessivement cher. Non, c'est son prix. Ça me choque pas en tout cas. Ça va être un peu reposé. Non. Non, non, j'ai essayé de dormir hier, mais non, ça a été compliqué. Ça a été très compliqué encore. J'ai du mal à me remettre un peu voilà, j'ai été mal. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été malade ce week-end. J'ai eu la gorge en feu, j'ai eu le nez en feu, j'ai eu des gros problèmes de dos aussi. Tout ça a fait que j'ai vraiment pas beaucoup dormi dans le week-end. Mais bon. C'est lui qui West. Comment ça? Merci pour les bons anniversaires, en fait. J'essaie de rattraper, mais... Tu trouves que ça fait cher, toi, Sud? Moi, je trouve que c'est son tarot. Hein. Après, il faut pas oublier qu'il est sorti à 80 euros à la base. Hein. Une moitié prix, sachant qu'MW2, ça joue toujours. Après, ouais, si tu peux te le trouver à 30, 35. Mais chez Micromania et ces trucs-là, ils ont pas dans les bacs. Là, ça peut être intéressant, des fois, d'aller faire un tour. Bonjour, j'ai oublié, pas de souci. Parmi la chambre. Non, non, même pas, j'ai même pas vu. Salut Gaston. Salut à tous, comment va? Mais de rien, Gaston, ça fait plaisir. Il y a plein de gens qui ont vu la vidéo. C'est un truc de ouf. La vidéo, elle a explosé. Merci à tous ceux qui l'ont vu d'ailleurs. J'espère que ça vous aura été utile. Ça faisait longtemps en plus que j'avais pas fait de vidéos comme ça. J'en avais fait plein à une époque. Au début de la chaîne, je ne faisais quasiment que ça. Je te tiens dans mon anniversaire. What? Je l'ai eu à Easy Cash. Ah, Easy Cash. Ouais, alors ils sont gentils chez Easy Cash, mais là, je crois qu'ils se masturbent un peu. Alors les trucs genre Easy Cash, tous les trucs comme ça, faites gaffe parce que souvent les prix sont excessifs. Ils rachètent à très 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 bas prix et ils essayent de te vendre de l'argent au prix de l'or. Voilà. Pour avoir vendu des trucs chez eux, j'ai rigolé quoi. Les mecs, oh bah non, ça se vend pas. Les mecs te font toute la comédie du commercial pour te racheter le truc 10 balles et puis tu repasses le lendemain, ils te l'ont mis à 50 balles en vitrine, tu te dis te fous de ma gueule. Donc pour jouer à ETS2 en 4K. Alors attends. J'ai dû rater une phrase, non? Il faut mettre combien PC Gamer Fix? Ah! PC Gamer Fix. Pour jouer à ETS, t'as pas besoin de... Ah, en 4K. En full def. Tu vas sur Amazon, tu t'achètes un PC Gamer à 1000 balles. Et tu feras tout tourner. Salut Lou.
Salut Monsieur Kidrick, comment ça? Merci, merci mon ami. Ah, voilà le plus beau. Oh. On a été joué hier soir chez Kidri. C'était quelque chose, hein. C'était quelque chose. Du coup, tu vois, j'ai pensé un peu à toi. Tu vois, on en a parlé il y a pas longtemps, mon petit kid. Tu vois, ce matin, je me suis dit, tiens, je vais racheter une hein. Mais à côté de ça, j'ai craqué, j'ai acheté des trucs un peu plus gros. Et encore, celui-là, c'est le 700. Il y a le 900 qui est pareil. Des trucs vite fait, un petit peu plus gros. Une katana de 1000 et quelques poneys. 4 chiffres, tu connais pas, toi. C'est pas possible. Déjà, 3 chiffres, t'as du mal. Mais regarde. Un Kramer. Un Hurley. Tu vois, j'ai fait dans le. J'ai petit matos d'un côté, gros matos de l'autre. Ah, coucou poulet. Ouais, on va aller moissonner un peu là, tranquille. On va regarder. Alors, je vous le dis, hein, la partie, je l'ai préparée ce matin en 20 minutes. Est-ce qu'il est prêt ce petit champ de. Ben voilà, impeccable, le neuf est prêt. On va attaquer direct. Là, je vous ai fait voilà un petit corps de ferme à la massette et encore, je l'ai fait vraiment à l'arrache. J'ai posé un peu les bâtiments n'importe comment. Mais bon, ils sont tellement beaux ces bâtiments. Toc, 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 toc. Oui, 0,001, ouais, c'est ça. Enfreint des rédacteurs. Okay. Ouais, ça fait un peu globuleux le Kramer, ça me fait marrer. Je le trouve pas spécialement beau, hein, mais ça me fait marrer en fait, justement. Allez, on sort l'avion de chasse. On va y aller direct, hein. Ah ouais, c'est vrai. C'est pas trop ce qu'il faut déplier, mais il faut déplier. Hein. Tendre l'étendeur de la bâche. Je vais essayer de suivre le chat en même temps, mais ça va pas être évident, parce que je sens que vous allez m'écrire beaucoup de messages. Bah, c'est bien gentil, mon kid. Bah, je me doute que t'es au boulot. De toute façon, il y en a beaucoup au boulot. Hein. Salut, Mika Gris. Comment on va? Bienvenue, hein, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, bien évidemment. Comme qui dirait. Voilà, bienvenue. Ouais, donc je disais, hier, on a été faire un tour sur la partie perso de Monsieur Kidrilic. Avec. Alors, Monsieur Kidri, hein, pour ceux qui ne le savent pas, fait des petites vidéos avec du vieux matos, du petit matos. Et là, il a attaqué. Il s'est attaqué à Palenier. À côté de la bergerie. Il a refait un petit truc. Du coup, hier, on a été faire un petit peu de game avec lui et on a beaucoup, beaucoup rigolé parce que franchement, son matos est tellement petit quand t'es pas habitué. Bah, ça fait bizarre. Ça fait vraiment bizarre. Donc, du coup, on a bien rigolé, on s'est bien marré. Mais du coup, si je dis pas de conneries, tu fais une série maintenant dessus. Tu vas faire une série en vidéo, il me semble. Je m'avance peut-être, mais il me semble que c'est ce que t'avais dit. Trop bien cette batteuse. Mais ouais, elle a trop la classe, cette petite batteuse. Une batteuse à moins de 80 000 euros, c'est pas mal, hein. Ah non, mais elle est sympa, sa petite ferme. Sur plusieurs niveaux, comme ça, moi j'aime beaucoup. Tu vas commencer une, ouais, c'est ce qui me semblait. Ce que tu m'avais dit. Donc, du coup, bah, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à Monsieur Kidrick, je vous incite à aller faire un tour sur sa chaîne. Pardon, si vous aimez le vieux matos. Merde. Si vous aimez le vieux matos et si vous êtes curieux de savoir comment on peut jouer avec du vieux matos, c'est bien ça qui est très important. Sur des parties, bah, n'hésitez pas. Lui, il s'est fait chier pendant des heures et des heures et des heures et des jours et des jours à trouver pas mal de petits modes très intéressants à jouer. Il vous a fait une petite sélection. Il vous en parle assez fréquemment. Il est en train de commencer à faire des petits épisodes sympatoches. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Vous y trouverez sûrement votre bonheur si vous aimez le vieux matos et surtout les petits et vieux matos. On va dire ça comme ça.
Impeccable, franchement, GG. Et d'ailleurs, ah oui, pour, il doit pas t'en manquer beaucoup, il doit t'en manquer un ou deux. Mon Kid. En fait, alors Kid essaye aussi d'arriver à 50 abonnés. Il a commencé sa chaîne il y a pas très longtemps. Il essaye de nous faire des petites vidéos pour cet été, pour vous donner une petite idée. Monsieur Kidoli, qui est un psychopathe, et c'est quelqu'un qui aime se faire mal. C'est-à-dire que j'aime bien quand je dis ça. Monsieur fait les courses de Spartan Race. Vous voyez ce que c'est, les Spartan Race? Vous savez, les fameuses courses où il y a un dénivelé de salopards. Ça passe par-dessus des obstacles, ça doit porter des trucs, ça doit. Donc le mec en chie quand même pas mal. Et s'il arrive à avoir ses 50 abonnés avant sa course du mois de juillet, bon, je pense que le problème sera vite réglé, hein, les 50 abonnés, tu les auras larges. Il a l'intention de nous faire des petits lives en direct pendant la course. Donc moi je dis, ça vaut tellement le coup que n'hésitez pas à aller vous abonner. Déjà d'une, parce que pour les Spartans, ça peut être super fandard de le voir en live souffrir comme pas possible. Moi j'attends que ça. Donc du coup, il pourra live via le téléphone si vous n'avez pas 50 abonnés, à savoir que vous ne pouvez pas live directement de votre téléphone. C'est pour ça qu'il lui faut 50 abonnés. Et en plus de ça, je pense que le contenu qu'il génère et qu'il fait sur ses séries à l'ancienne, hein, c'est juste du délire. Il a une série du coup en live le mardi soir à 22h30, si je dis pas de conneries. À l'ancienne, donc toute petite ferme, tout petit matos, toute petite map. En plus, c'est nous qui choisissons ce qu'il achète. Moi, j'adore. Parce que du coup, ça permet de le refaire souffrir encore un peu plus. J'aime bien le faire souffrir, Kid. Donc, non, non, n'hésitez pas. Allez vous abonner à sa chaîne, vous n'en serez pas déçus. Voilà, j'ai fait le coup de promo pour Monsieur Kid ce matin. Je fais les promos pour les autres cet après-midi, mais ce soir. Alors après, j'ai pas beaucoup de chaînes en description. Hein. Normalement, j'en ai 6, je crois. Sachant qu'il y en a 2, c'est les miennes. Je vais recommencer dans l'autre sens. Vous avez aussi Monsieur Meyers, qui a sa petite chaîne aussi, qui nous fait du petit contenu sympatoche, avec sa ferme aux 1000 animaux. Donc ça, c'est pareil. On fera ta pub cet après-midi, Monsieur Meyers. Et puis ce soir, on fera la pub des autres, ou de tout le monde, on verra. Les frères Jans aussi. Bon, il y a surtout Romain en ce moment qui joue, mais Seth va bientôt revenir. Alors, est-ce que j'ai raté des trucs? De je crois que j'ai fait chou. Moi je dis chapeau car il est sur console, sur PC. Ah oui, non mais il est sur PS5. Faut juste pas oublier aussi que Kidri, il joue petit matos, petite map à l'ancienne. PlayStation 5. Donc, tous les modes qu'il vous présente, c'est du crossplay. Et sur PC, on n'a pas énormément plus de choses que lui là. Hein. Je vous le dis clairement. Moi, j'ai les deux, j'ai Xbox et PC. Bah, tout ce qu'il nous a proposé hier, franchement, c'est vraiment des modes super sympatoches. On a pu tester, hein, vu qu'on a été jouer avec lui hier. Et franchement, des barres de rire. Des barres de rire. Hein. Ah, c'est sûr que si vous êtes un passionné de chant américain et de moissonneuse avec des barres de coupe de 50 mètres, c'est pas du tout ce qu'il vous faut. Mais si vous avez envie de vous taper un délire avec des petites maps, des petits chants et puis du vieux matos, franchement c'est du délire. Sachant qu'en plus le vieux matos coûte que dalle. C'est ça qui est délire aussi, c'est que le matériel, là on a acheté des tracteurs hier à 7 500 balles. Forcément, tu rigoles. Parce que tu récoltes un champ comme celui-là, bah, il te rapporte 20 000. Donc ton tracteur, en une moisson, il est rentabilisé. Tu fais ça avec un, je sais pas, même un. Hop, punaise. Je regarde pas devant. Je regarde en haut. On a un peu écrasé les cultures, mais on s'en bat les bonbons. T'achètes le moindre tracteur récent, c'est 100, 130, 150 000. Tu le rentabilises pas en une fois. Hop, allez. Donc, le petit matos. Ça reste quelque chose de rentable. Je peux démarrer ou pas? Il veut pas me le démarrer, c'est original. Ah ouais, c'est cool ça. La merde, je l'ai jamais eu celle-là. Ah oui, j'ai aussi.
Le petit berlingot classe. Pas gagné. Ouais, celui-là, j'arrive à le démarrer. Tant pis, on va prendre celui-là. Bizarre que le early man, il veuille pas démarrer. Ah bah oui, mais putain, ce qui est con, c'est que l'autre, il est devant. Bah non, attends, celui-là, on va le remettre là-bas. C'est embêtant. C'est embêtant, c'est embêtant. Et c'est une blague, je peux pas le démarrer. Je connais pas les boutons sur PC pour démarrer le moteur, je joue qu'à la manette. Salut monsieur Fredo, comment il va? Alors attends, j'essaye de voir si j'ai rien raté dans les... Il me manque un abo. Attends, je m'en suis arrêté où? Salut François, merci pour l'abo. Il lui manque un abo. D'accord, si vous savez. Il fait des shorts sur sa chaîne. Oui, exactement, Monsieur Meilleur. C'est Monsieur Meilleur qui fait la pub de l'autre Cédric. Oui, si vous voulez voir un peu comment ça se passe, il a des petits shorts et même il a des petites vidéos des Spartans. On voit un petit peu le délire et les trainings. Ça a l'air costaud quand même, hein. Grim a acheté un tracteur en panne. Ouais, mais c'est ça en fait. C'est trop bizarre. Mais de rien pour la pub. Comment il va, Monsieur Fredo? Et merci, hein, du coup. Hein. Salut Fredo. Un truc démarrer. Bah ouais, bah il est bugué. Hein. Ça marche, Kid. Atal. Au fait, Grim, c'est où que l'on peut poser des questions au Medhub? Alors en fait, il n'y a pas de... Ouais, je vois ce que tu veux dire, Franchou. En fait, il n'y a pas d'endroit vraiment où tu peux leur poser des questions, une foire aux questions, entre guillemets. En tant que modeur, toi, tu peux, sur un mode, aller leur poser des questions. Mais en fait, il n'y a pas vraiment d'endroit où t'as un truc, poser des questions. C'est un peu très con parce que moi, il y a des fois, j'aimerais bien leur poser des questions et je galère à chaque fois. Faut aller dans les contacts, mais faut aller carrément sur le, je crois, sur la page du modhub dans, je crois que ou sur le forum. Je sais plus, mais en fait, moi, à chaque fois, je leur pose des questions. Je vais sur un de mes mods et je leur pose une question qui a rien à voir avec mon mod, mais un peu comme si t'ouvrais un ticket sur un mod. Parce que bah, quand j'avais eu mes récompenses là, console et bronze là, bah quand j'ai eu le console, au bout d'un moment, je leur ai dit oui, je suis censé recevoir un truc. Ils m'ont dit oui, c'est en cours. En cours depuis le mois de juin. J'ai toujours rien reçu. Et bronze, pareil, j'ai toujours rien reçu. Alors que normalement, on est censé avoir un truc, mais apparemment c'est en fabrication. Pourquoi marche pas le Lulu Il a vraiment pas envie de démarrer, quoi. Oh, c'est con ça, c'est la première fois que ça me fait ça, dis donc. Alors, bah attends, on va se le réinitialiser. Hein. Ah ouais, non, il est buggé, il veut pas. Bon, bah on va prendre l'autre. Hein. C'est bien la première fois que ça me fait ça, tiens. C'est bien la première fois que j'ai un tracteur qui veut pas démarrer. C'est original. C'est original. J'ai même pas refait la gueule de mon perso. Il est en mode. Tiens, on va quand même se le refaire parce que ça la fout mal. On va au moins lui mettre. Ah ouais, Alien Activity quand même. Avec une petite casquette à la Grim. Voilà, une petite. Comme ça, allez. Et les lunettes d'Américain, allez. Voilà. Ouais, non, c'est vraiment mal foutu, franchement. Mais je pense que c'est parce qu'ils veulent pas être emmerdés. Alors, bah, du coup, si c'est par rapport à ta map, d'ailleurs, GG à toi, hein, mon ami. Si c'est par rapport à ta map, t'emmerdes pas. Tu vas sur ton mode, et tu ouvres une. Attends, excusez-moi 2 secondes, hein, je vais regarder directement en live. Hop, attendez, hop, je vous remets ça comme ça. Attendez, je fais de l'assistance en même temps.
Quand tu vas dans ta partie mode, quand tu te connectes à ton profil et que tu vas sur un mode, je vais prendre n'importe lequel de préférence. Non, c'est dans Messenger, il me semble. Close ticket, non, c'est pas dans Messenger. C'est dans quoi déjà? Non, c'est dans le mode même. Je suis en train de regarder, hein. Il faut que ça me revienne. Ouais, en fait, quand tu vas dans ton mode, mon franchou, t'as ton mode, machin, et à un moment, il y a marqué Create New Ticket. Il y a marqué Messenger à droite. Create New Ticket, tu fais un truc, ça te permettra de mettre un message et tu leur poses la question. Alors, essaye de leur poser la question ou en anglais ou en allemand. Si tu sais pas parler ni anglais ni allemand, bah, Google Trad est ton ami. Et comme ça, bah, tu leur dis, bah voilà, je comprends pas pourquoi ma map est pas crossplay. Et ils vont te dire, hein. Ils vont te dire, bah, il y a telle chose ou telle chose que vous avez mis qui est pas crossplay. Ils te diront clairement. Après, si c'est facile pour toi de le corriger, tu le corriges, tu leur envoies une mise à jour en disant, j'ai enlevé le machin truc bidule, est-ce que vous pouvez me la passer en crossplay avec la mage? Et si vraiment c'est un truc compliqué, bon, bah, tu verras. Branche la batterie, ouais, c'est ça. Salut les barrés, salut Oliver, comment ça va? Dis-moi Grim, les modes buggés que je t'ai envoyés, penses-tu qu'il y a moyen de les refaire? Ah non. Le berlingot, non. Le berlingot, j'ai regardé quand même, je me suis dit, ouais, il y a tellement, tellement d'erreurs sur le mode que je sais même pas d'où il sort son truc, mais je me demande si c'est pas un mode qu'il a été chopé sur le 19, qui aurait été balancé comme ça dans le 22. J'en sais rien, mais c'est une catastrophe ce que le mec a fait avec son berlingot. Esthétiquement, il est beau, mais tu peux rien en faire. Il s'afficherait même pas parce que les gyrophares sont plantés, la 3D elle est plantée, tout est planté sur le truc. Je sais pas ce qu'il a foutu le mec avec son truc. Il a essayé de faire un truc, mais ça l'a pas fait du tout, quoi. Salut Michel! Comment va? Pouce mi, c'est gentil. Merci pour les pouces, déjà. Je suis en pause. Eh ben, t'as bien raison, Liver. Il faut prendre des pauses. Je vais essayer de reprendre. Salut Neptune! Comment va? Bonjour. Et n'oublie pas, hein, live de cet après-midi, tirage au sort. Qui gagne quoi? Donc du coup il y aura deux tirages. Je vais la refaire. Du coup il y aura deux tirages au sort cet après-midi. Donc attention, attention. Alerte. Il y aura deux tirages au sort cet après-midi. On en fera un, je pense. Début de live. Bah. Début de live. Pas tout au début du live. Mais je pense une petite heure après le début du live et une vraiment en fin de live. Le premier tirage, ce sera un des cadeaux à gagner. Pour les membres, comme je vous avais dit, il y aura un premier tirage où il n'y aura que les membres qui pourront jouer. Et le deuxième tirage, il y aura les membres plus tous les abonnés qui ont participé au concours. Donc n'oubliez pas le tirage. Bah, vous pouviez vous inscrire jusqu'à hier soir, minuit. Donc tout est clos. J'ai déjà mes petits tickets qui sont quasiment prêts. Faut que je les découpe d'ailleurs. Et du coup, on se fera les petits tirages. Et je vous dirai peut-être ce que vous avez gagné. Normalement, les cadeaux arrivent demain chez moi. J'ai eu le message comme quoi c'était parti. Donc normalement, c'est censé arriver demain. Donc si je les ai demain, bah, je vous les ferai voir dans le live de demain. En espérant que ça corresponde à ce que j'ai vraiment commandé. Parce que des fois, on n'est pas sûr non plus. J'espère que ça sera classe. Et du coup, bah, voilà, on fera le tirage des deux, bah, des 700 abonnés, des 800 abonnés cet après-midi. Parce que bah, on n'a pas le temps de fêter les 700, que les 800 étaient déjà arrivés. Donc je suis très content. Merci encore à vous. Un gros GG à tous ceux qui se sont abonnés récemment. Et du coup, bah, tirage au sort cet après-midi. Voilà. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Merci, mon petit livre. J'avais vu que t'étais. De quoi? J'avais vu. J'avais pas vu que t'étais riche à ce point-là. Ah oui, non, mais là, on est en mode nos budgets. Vas-y, Fredo.
Là, on est en mode de budget, on s'en fiche, hein. On n'est pas là pour faire de l'argent, on est là pour jouer. Entre amis, petit live chill, tranquille, pépère. J'ai du matos qui est aux opposés. J'aurais bien moissonné avec l'Aston Martin, mais c'est pas pratique. Non, ça sera classe, c'est pas du tout un indice. Non. Aucun rapport. Non, non, vous attendez pas à ce qu'il y ait un logo classe sur le cadeau de devant. Non, 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 non. Non, non. C'est un produit dérivé. Joli cet ensemble. Lequel ensemble? Kramer Farmtech ou la super mouse batte Alors, c'est marrant parce que au début, cette mouse batte-là, je me dis, waouh, elle est chelou, elle est vieillotte, machin. Mais au final, pour l'âge qu'elle a, la puissance qu'elle a et la largeur de coupe, elle est ultra, ultra rentable. Parce qu'elle coûte que dalle. Bah, coûte que dalle. Elle n'est pas excessivement chère vu son âge. Mais elle a une largeur de coupe qui est pas dégueulasse. Elle est en 5,20 m, je crois. Les deux ensembles. Ça me fait plaisir. Bah, si t'aimes bien les vieux ensembles, Michel, je peux te conseiller qu'une chose, c'est d'aller t'abonner à la chaîne de Kidrilic. C'est dans ma description. Tu as la chaîne de Kidri. Lui, il fait quasiment que du vieux matos, petit matos, que du bonheur. Si t'aimes ça. Et lui, il roule en bison. Hein. Tu vois, pour te donner une idée. Et ces ensembles, on les a essayés encore hier soir, parce qu'on a été jouer avec lui sur sa partie perso hier soir, il nous a invités. On a tapé des barres. Hein. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un des tracteurs les plus puissants. J'avais 60 chevaux. Ah ouais. Quand même. Il y avait Choco qui avait le tracteur le plus puissant, 85 chevaux. Je peux dire que ça envoyait. Hein. Attention. Il a l'Aston Martin et la BM. Mais en vrai, ouais, c'est ça, ouais. Je m'appelle pas la boiserie, moi. J'ai pas le budget pour vous offrir, je sais pas combien de voitures. Salut Noé. Merci. Comment ça va, mon petit Noé? Tiens, il y a longtemps aussi que je ne vous l'avais pas mis, celle-là. Ouais, bah après, je l'ai poussé un peu. Acheter le Landini de 85 poneys, ouais, c'est vrai qu'on avait acheté le Landini après, on avait bien rigolé. En 4 roues motrices! Attention! Les mecs sont fous, quoi. Landini 4 roues motrices, quoi. Je vais repartir du bout là-bas. Ah ouais, bah Choco était content. Hein. Bah Choco, il a été tondre avec le 85 chevaux, c'était marrant. Mais bon, ça passe. Hein. Ah bah là, oui, c'est quasi que du sans cabine. Là, t'as les chevaux au vent, y a pas de problème. Quoique non, celui qui avait Choco, je sais même plus ce que c'était. C'était un Massey, je crois. Et mini cabine. Mais bon, je pense que vu le gabarit de Choco, les épaules devaient toucher les vitres latérales, je pense. Il devait avoir le volant qui frottait sur le bide et puis les épaules qui touchaient les vitres latérales. Ah, bah alors, mon petit Noé, tranquille. Avec un beau temps pareil. Un beau temps. C'est moins top aujourd'hui. Hein. C'était cool hier, mais. Et encore mieux, c'était avant-hier. Avant-hier, terrasse, barbecue. On était pas mal. On était pas mal. Bah, disons qu'à 20. Attends, quelle vitesse on roulait hier? Moi, je roulais comme un taré, je crois que je roulais à 31 km/h. Un fou, un fou. Un psychopathe. J'ai roulé comme un fou, j'étais à 31 km/h sur les routes de Paligné. Je peux te dire que. Y a certains automobilistes qui ont eu très très peur. Hein. Attention. Hein. Bah, l'avantage, c'est que t'as le temps de regarder le paysage à 30 km/h. Ce que disait Kidri. Hein. Il dit non, mais à cette vitesse-là, c'est bien, t'as le temps de regarder le décor à droite, à gauche. Ah, tiens, ils ont mis un détail là. Non, non, ça pour ça, c'est bien.
Secours. Ça se repose. Bah, tu lui diras toi-même. Hein. Rentre en descente, le vent dans le dos. Ouais, c'était à peu près ça. Alors, avec la pauvre petite benne de 5000 litres derrière, à un moment, s'est tapé une côte. On a dû redescendre à 17 km/h, je crois. C'était violent. Hein. C'était très, très violent. Hein. Je viens de te saluer. Mais merci, monsieur Michel. Ça marche, mon franchou. Et puis, bah, tu me tiendras au courant si t'as réussi à leur envoyer un petit message à Giant. Des bises. Franchou qui nous a sorti une petite map il n'y a pas longtemps. Pour ceux qui ont un petit peu vu. Je me rappelle plus du nom de la map. C'est la petite campagne, je crois. Si je dis pas de conneries. GG à lui. Sa première petite map. Si je dis pas de conneries. C'est fait? Ok. C'est ça, hein, le nom de ta map, mon franchou, tiens, avant que tu te barres. Hein. Fais-toi un coup de pub pour ta map. Oui, t'en as fait 4, mais la dernière. Ouais, mais les autres, elles sont plus grandes, non? Quand je dis petite map, quand ta première petite map, c'est la plus petite, celle-là, non? Il me semble as. Enfin, je dis peut-être une connerie, mais ça m'étonnerait pas que je dise des conneries ici. Hop là, on va s'arrêter avant de faire des conneries. Hop. Et du coup, la map, vous pouvez la trouver sur le modhub. C'est sorti il y a pas longtemps. Il y a quoi, il y a 2 semaines? 3 semaines? Je sais pas, je vois pas le temps passer moi, donc je vais pas dire de conneries supplémentaires. Bah, tu sais quoi, regarde, on peut même aller voir. Hein. Oh là! Alors, Modub, catégorie, carte. La petite Pampagne. T'as vu au fait le Pampagne? Dans ton titre, une lettre a changé. Du coup, mon franchou, ta map est sortie le 10 avril. Non, maintenant, il y a 5 jours. Ah là, je voyais ça plus loin, moi, tu vois. Bon, j'ai pas vu le temps passer. Donc, c'est sur le mode. Tiens, tu sais quoi, je vais même faire un truc. On va faire ça, tiens. Regarde. Gadon, gadon, gadon. Si vous voulez voir sa map, je vous mets le lien modhub. La fin de... D'accord. Ok. Ouais, alors des fois, ils ont des drôles de délire. Hein. Ils ont des drôles de délire, Giant. Hein. Donc voilà. Si vous voulez aller voir ce que fait Franchou, j'aurais carrément pu mettre... Et la ferme de la vallée est aussi sur le modhub. Et les autres, elles sont sur quoi? Sur le roi des modes? Pour ceux qui voudraient y aller. Hop. Ça on peut couper, on va les vider après. Hop. Bon après c'est moi qui me le plus. D'accord. Bon, vous avez au moins deux maps sur le modhub et deux autres sont sur King Mode, du coup. J'étais jamais voir. Bah ouais, faut télécharger les maps des copains déjà. Ne serait-ce que pour le travail effectué. C'est toujours plaisant. Et n'oubliez pas de noter les maps. Et si possible, mettre 5 étoiles. Ça fait plaisir aux modeurs déjà. Ça nous donne un peu de force pour continuer à modder. Parce que ces derniers temps, modder pour Giant, c'est pas ce qu'il y a de plus cool. Je vais dire ça comme ça parce que au début, l'année dernière encore, on pouvait faire un peu ce qu'on voulait au niveau du modding. On n'était pas trop bridé, on pouvait vous faire des trucs sympas. Il y a eu quelques mises à jour qui ont beaucoup, beaucoup freiné les modeurs. Et après, on a une équipe de testeurs qui nous fout des bâtons dans les roues à tire-larigot.
Pour vous donner une idée, bah, ce matin, ma map a été recalée d'ailleurs. Apparemment, il y aurait une erreur. Alors, ce qui est très drôle, c'est que moi, quand je passe de mon côté sur leur propre testeur, je ne trouve pas d'erreur, mais eux m'en trouvent une. Donc, est-ce qu'ils n'ont pas encore changé des trucs qui font que maintenant il y a des nouvelles erreurs? Donc, on verra ça un petit peu plus tard. Bon, il n'y a pas grand-chose. Il y a une seule erreur. Ils m'en ont pas sorti 40 comme la dernière fois où je leur ai limite dit non mais vous rigolez, comment moi je peux avoir zéro erreur et vous m'en trouvez je sais pas combien. Bizarrement, je leur ai renvoyé le même fichier, bizarrement le coup d'après, non non c'est bon, il n'y a plus d'erreur. T'es où de ma gueule. Donc bon, voilà. J'ai pas envie de dire que on est à plaindre aussi en tant que modeur, mais c'est pas forcément évident en ce moment de modder pour Giant. Voilà. On a eu des périodes un peu plus cool, un petit peu plus facile. Là, en ce moment, un mode qui passe en une fois, j'en connais pas. J'en connais très très peu qui passent du premier coup. Généralement, faut se les renvoyer une fois, deux fois, parce que entre notre système de test à nous et leur système à eux, en fait, on n'a pas tout à fait le même logiciel. Et des fois, eux voient des trucs que nous on voit pas. Et des fois, j'ai envie de dire, des fois, ils nous emmerdent pour des broutilles, mais vraiment des broutilles. Hein. Pour ceux qui se rappellent, perdu dans les montagnes, ils m'avaient renvoyé la map parce que j'avais une étiquette sur une boîte aux lettres. Une étiquette sur une boîte aux lettres, ça fait 5 cm en vrai, dans la vie, où il y avait marqué Grimlock. Et ils m'ont dit, non, interdiction de faire de la pub, machin, nanana, même pour soi-même. Ils m'ont renvoyé la map pour ça, pour une étiquette sur une boîte aux lettres. Par contre, comme l'a fait remarquer Romain d'ailleurs bah hier sur son Discord, il a posté une photo, il y a une map qui est sortie, il y a un arbre qui est en l'air au-dessus de la route, mais à 50 mètres au-dessus de la route. Hein. Ça, par contre, Giant, ils l'ont pas vu. Pourtant, tu peux pas le rater. Mais non. Donc ouais, des fois, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc on essaye de. Voilà, on essaye de faire au mieux, mais voilà, le soutien aux modders, ça fait toujours plaisir. Donc si vous voulez soutenir les gens, mettez des 5 étoiles sur leur map. Ça permettra voilà, de se sentir un petit peu plus soutenu. Cette pierre en pierre m'a été refusée car je l'avais appelée la petite campagne. C'est un truc. Mais ouais, non mais c'est. C'est un truc de ouf. J'ai envie de tourner la même version. Ouais, non, mais voilà, c'est ce que je viens de dire, tu vois, c'est. En fonction du modder, bah, du testeur sur qui tu tombes, ça se passe bien, ça se passe pas bien. Moi, à chaque fois que mes mods étaient testés le lundi, je les reprenais dans la gueule. Systématiquement. Si c'était testé un autre jour, des fois, ça passait du premier coup. Mais c'était drôle. D'ailleurs, on en parlait il y a pas, il y a quelques temps, justement, on en rigolait. On disait le testeur du lundi, c'est un enfoiré. On disait lui, même pas. Parce que à chaque fois que je mettais un mode le lundi, le mec, il me dégageait mon mode, mais à chaque fois, c'était systématique le lundi. Donc ouais, non, c'est. Entre ça et les périodes où les mecs sont en RTT, tu sais pas ce qu'ils foutent, pendant 3 semaines, ils testent plus rien. Tu l'as vu aussi l'arbre en l'air. Hein. Donc ouais non mais des fois il te casse les bonbons pour des broutilles et d'autres fois ça passe tranquille. Mais derrière mon franchou c'est normal. Allez tu nous tiendras au courant si t'as une réponse. Rekid. A bientôt fini notre chant, t'as vu? Tranquille. Hein. Tranquille, tranquille. Avec cette jolie Moissebat E516 de chez Forgeson-Schlift. Ça va être sympatoche. Cet après-midi, je serai pas là. Wouhou! Ça va nous faire des vacances. Non, je déconne. C'est pas grave, t'inquiète, on sera là ce soir. De toute façon, aujourd'hui, il y a 3 lives. Hein. Je vous l'ai annoncé, je me fais un délire. Ah oui, il fallait que j'aille la vider, elle, au fait. Oups. Ça va, c'est pas loin. J'ai même pas remis d'herbe là.
Je sais plus ce que je disais. Ça devait être intéressant. Ouais, on en avait déjà parlé, donc. Hop. Je vais faire ça toute la journée. De quoi? De partir, de revenir, de faire ton nourri, c'est ça? Des allers-retours. Salut, thune. 50 à beau, GG! GG mon Kidri. Allez, les applauses. 50 abonnés. Vivement les Spartan Race. Je suis impatient de te voir en chier, mon ami. Ça va être génial. Et continuez à lui mettre des abos, hein, d'ailleurs. Vous arrêtez pas 50, hein. On s'en fiche. Le contenu vaut vraiment le détour, donc il n'y a pas de raison. Je reste cet après-midi vers 13h30. Je dois retourner au boulot. Bah alors, cet après-midi, ça sera peut-être plus du 14h, hein. Donc Oliver, si tu viens 13h30, je serais peut-être pas encore connecté. Merci, mon petit Oliver. À tout à l'heure. Bonjour, Bodo. Donc voilà, pour ceux hein, qui aiment le vieux matos, etc. Bah tiens, j'ai pas mis ta chaîne. Attendez. Je vais faire comme on a fait l'autre jour. Toc, toc. Alors je vous mets la map hein, vite fait parce que le temps que j'aille choper sa chaîne, etc. C'est toujours copier, hop, coller, bim. Et on va même, regarde, on va faire comme on a fait l'autre jour, on va épingler le message en haut, comme ça sera beaucoup plus simple. Et je vois que Aqual a essayé de, de tricher un petit coup. Au passage. Ah, c'était jusqu'à hier soir minuit. Pour les participations, petit Aqual. Eh ouais. Bon, c'est pas grave, hein, de toute façon, vu à la vitesse où vont les choses, on fera les 900 bientôt, je pense. C'est plutôt cool. Normalement, hein, Oliver, hein, aux alentours de. Mettez les cloches, hein, au pire, hein, pour ceux qui ne les ont pas encore activées. Vous en saurez plus tout à l'heure. Et je pense qu'on se fera le tirage du concours vers les 15h, quelque chose comme ça. Histoire de se laisser un petit peu de temps, de démarrage, tranquille, pas de stress. Et puis potentiellement, je vous expliquerai ce que vous risquez de gagner. Alors vous attendez pas à des trucs extraordinaires, machin. Il n'y aura pas de DLC. Je vous le dis tout de suite, vous attendez pas à avoir des DLC pour l'instant, parce que le problème du DLC, c'est que c'est très compliqué. Comme dans les viewers de la chaîne, on a des joueurs console et des joueurs PC. Offrir un DLC sur PC, c'est très simple. Offrir un DLC sur console, c'est pas tout à fait la même. C'est un peu plus compliqué, donc offrir des DLC, c'est jamais facile. En plus de ça, certains ont déjà tous les DLC. Et puis, bon, les DLC, ça va, ça vient. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus marquant. Donc moi, je suis plus dans le goodies. Voilà. Alors, je vais pas vous offrir des stylos, hein. Mais voilà, j'essaye de faire du petit goodies. La dernière fois, il y avait une tasse collector à gagner en métal. Sur une série de 3 modèles. Donc forcément, c'est de l'ultra collector hein, quand tu fais une série de 3. Sachant que moi j'en ai une et la deuxième c'était Captain Price de la team qui l'avait. Alors ce qui est bien c'est que c'est Monsieur Meilleur de la team qui l'a gagné. Ça avait bien joué hein, d'ailleurs. On avait fait un petit questionnaire avec des petites réponses à donner. Monsieur Meilleur a été vraiment tombé à ça de la bonne réponse. Hein. Quelques dizaines de vues près étaient très très bien. Et pas que sur cette question-là, d'ailleurs, sur toutes les questions. Mais là, vous voyez, vous verrez, vous verrez, vous verrez, vous verrez, vous verrez bien ce que ça donne. On en reparlera cet après-midi. Je viens de m'abonner à la chaîne de Cédric. Bah, c'est cool, Michel. Après, comme je vous dis, hein, si là vous aimez Mamoise Bat, bah, vous allez kiffer ce que fait Kid. Parce que lui, déjà, c'est du bison. Il a même deux bisons. Hier, on est arrivé sur sa game, le mec, tellement il aime ça, il a deux bisons. C'est pas les mêmes. Il a une bleue, il a une rouge, mais c'est pas les mêmes modèles. Il a deux bisons.
Ça m'a fait délirer. Mais ouais. Kid aime beaucoup le vieux matériel. Et c'est vrai que c'est marrant de jouer avec du vieux matos parce que jouer à farming avec du matos récent, c'est sympa. Pas de problème, mais au bout d'un moment, c'est toujours un peu pareil. On joue avec du tracteur de 200, 250 chevaux, 300 chevaux pour certains, voire plus, mais on va dire avec 200 chevaux, on arrive à faire pas mal de choses dans le jeu. Et là, de régresser, de se dire, attends, Maxi, je prends 100 chevaux, on peut pas jouer pareil. Et on joue pas dans le même optique. C'est ça qui est très drôle aussi, ça change du coup le jeu. C'est pas on se dit bah voilà, je vais prendre un tracteur, une remorque, une grosse moisse-batte, je vais faire de l'argent et puis roule ma poule. Non, là on est dans une optique où bah, je vais jouer parce que j'ai envie de me faire plaisir, je vais jouer avec du matos avec lequel j'ai envie de rouler. Et c'est ça qui est génial. Et c'est vrai qu'hier on a bien rigolé. Hier on était avec nos petits tracteurs de merde. J'ai réussi à un moment à doubler Kid dans une descente. On avait quoi, 3 ou 4 km heure d'écart, on aurait dit deux camions sur l'autoroute. Il m'a fallu, je sais pas, 200 mètres pour le doubler. En descente, hein. Mais ça nous a fait extrêmement rigoler. Je m'y suis repris à 3 fois parce que la première fois j'ai mangé une voiture. La deuxième fois, il y a une voiture qui arrive en face, j'ai juste eu le temps de me rabattre derrière. Et la troisième fois, bah, il n'y a pas eu de voiture, j'ai réussi à le doubler, mais j'ai mis. Mais on en a rigolé. Du coup, c'était très drôle. Quand tu fais une course comme ça à 30 km heure, tu te tapes des barres. Tu te tapes des super barres, quoi. Ouais. Oui, bah oui, je vais offrir un ordinateur, bien évidemment. Bah oui, mais comme je suis youtubeur, tout le monde le sait, on gagne tellement d'argent, je peux vous offrir même des voitures si vous voulez, non? Non, à moins d'avoir 1 million d'abonnés, ça va être compliqué, hein, les amis. Pour l'instant, on n'en est pas là. Salut, monsieur Hervé, comment va? Bah ouais, tiens, alors, hop, dès qu'Hervé arrive, généralement, il faut mettre le petit bandeau, abonnez-vous. Pensez à vous abonner, partager, voilà. Exactement. Merci encore. De le rappeler, monsieur Hervé. Monsieur Furious, pour ceux qui. Pourquoi j'ai rebaissé ça, moi? On va se la ramener gentiment. Oh, on va aller à la vidéo directe. J'aime le vieux Renault. Ouais, le RS. Ou même les encore plus vieux. Alors, moi, j'ai un RS sur ma partie. Sur les bourses, hein. Sur la map, les bourses, hein. Donc généralement le vendredi après-midi, on stream dessus. À 13h30, j'ai un RS sur la partie. C'est vrai que c'est marrant. Et sur notre serveur, sur Palonnier, sur le serveur de la team, on n'a pas pu mettre le RS parce qu'on est sur du crossplay, mais on a le classe. Le RS, mais en version classe. C'est le même, mais en classe. Re mon Fredo, Digrim, depuis qu'on a joué hier avec Kid, j'ai mon ID1 qui fonctionne plus, c'est normal. Non, c'est pas normal. Bien sur l'ancienne, il y a un D22. Salut monsieur Thomas, comment va? J'espère que j'ai oublié personne hein, dans les. C'est quoi qui déconne dans ton Easy, Ced? C'est quoi qui fonctionne plus? Après, il y a peut-être un mode. Bah ouais, mais non. Parce que moi, je m'en suis servi tout à l'heure, moi, de mon Easy Dev pour faire. Pour faire tout ça. Quelle marche arrière ultra violente. Je suis un dingue, hein. 9 km heure en marche arrière. Je suis un fou furieux. Schlock. Alors vous m'excuserez, mais j'ai pas le manuel attaching, j'ai pas toutes les petites tous les petits gameplay que j'ai d'habitude sur mes autres séries. Bah quand je suis à 12, il y a rien qui apparaît. Bah est-ce qu'il est bien activé dans tes modes? Question con, mais. Alors, moi je sais que des fois, je suis obligé de redémarrer le jeu complet. Parce que des fois, ça déconne. Et en fait,
Faut que tu ressortes totalement et que tu re-rentres sur ta partie, des fois ça fonctionne. Ça m'est déjà arrivé, hein. T'arrives sur ta partie, t'appuies sur F12 et là il se passe rien. Donc tu ressors et tu re-rentres. Et moi je coupe carrément le jeu, je relance le jeu totalement. Comme ça au moins t'as moins d'emmerde. C'est parce qu'il n'y a pas de porte rétracteur, c'est ça? Pas beaucoup dormi et toi? Bah pareil. Pas beaucoup dormi Thomas. Ah ouais non, là j'ai passé un week-end, j'ai vraiment pas dormi beaucoup, j'ai été malade, j'ai eu grosses douleurs au dos, ça a été un peu compliqué mais... Toi je pense que c'est pas par rapport à ça, toi c'est par rapport au boulot, toi ça doit y aller sévère en ce moment. J'ai vu deux trois petits morceaux de live, j'ai pas eu le temps de tout regarder de ce que t'avais fait en live là mais... Ça avait l'air de bosser vénère. En ce moment j'ai pas trop suivi les lives car j'ai été hospitalisé. Ah oui forcément ça aide pas. Ça aide pas Michel. J'espère que t'as rien de grave. Et courage en tout cas pour la suite. Bah ouais ça y est mon c'est doux. 2 heures, ah ça fait léger 2 heures. Oh vache. Non bah moi ce matin je m'étais dit oh, bah on va commencer à 9 heures et puis le temps que les deux yeux restent ouverts. Et reste ouvert suffisamment longtemps pour pouvoir dire que voilà. Voilà. Du coup, on a commencé plus tard. Un petit peu trop claqué ce matin. Je me suis dit, ça a rien de forcé. La ferme n'était pas prête. Je me suis dit, bon, allez, on va leur faire un petit truc full massette. C'est vrai qu'il est très joli ce corps de ferme en plus. Mais bon, je l'ai fait un peu à l'arrache. J'ai pas eu le temps de mettre vraiment la déco, le machin, le truc. Voilà, monsieur Cédric. Ouais, des fois, en fait, peut-être c'est les synchros, les machins, ça se fait pas bien. Et puis, plus t'as de mode, moins ça a de facilité à synchro. Donc voilà, faut pas hésiter à relancer ton jeu. Hein. Bah, de rien, c'est normal. Hein. C'est normal, Michel. Cool le Kramer. Bah ouais, il est fun avec ses deux gros yeux globuleux devant là. Et j'ai mis le 3 points. Attention. Mais il est fun hein, le Kramer avec les petites jantes noires. Alors j'ai pris le châssis en gris métal et la carcasse vert de base. J'ai pas trop changé les couleurs. Il y a par contre elle la Farmtech, j'ai mis le vieux vert avec le vieux rouge. Il y a un rouge un peu plus vif et un vert un peu plus vif. Non, ça me. Ça fait ancien. Ouais, ça va encore. Ouais, si tu veux de l'ancien, c'est plus chez Kid qu'il faut aller, mais. Tant que papy change sa couche, ouais, ça commence à 10h30. Ouais, il y a ça aussi, ouais. Lance mon irrigation, genre. H. T'as beaucoup de trucs à poser, non? Tu fais quoi en irrigation? C'est des tuyaux que t'as à poser, ou des trucs comme ça, non? Qu'est-ce qu'on se fait? Est-ce qu'on s'achèterait pas une balleuse? Alors, on va peut-être faire un truc. Est-ce que je l'ai mis? Oui, je l'ai mis. On va se livrer, on va gagner du temps, parce qu'autrement, on va y passer la matinée. On va se livrer une balleuse. Qu'est-ce que j'ai en balleuse? J'ai même pas regardé ce que j'ai en mode. Alors, Kidri va me dire, prends des petites balles, prends des petites balles. Non, regarde. Ça, déjà, c'est pas bien gros. 45 chevaux. Est-ce qu'on se la prend en CAZ ou en New Zealand? Tiens, dites-moi, tiens. Donnez-moi votre avis. New Holland ou CAZ? Allez, vous avez 30 secondes. Comme ça, je me suis le temps de boire un coup de coca, tranquille. Regardez mes messages. Oh, 600 mètres de chiot. Eh ben, courage mon Thomas du coup. Attendez, parce que j'ai des messages en plus. Hop. Eh oui, forcément, c'est mon birthday. Alors les messages, ça va tomber toute la journée. Bon, on regardera après parce que là, on est un trou. Oh. J'ai des amis. NH. NH, ça change. NH. Eh ben NH. Alors, on a quoi comme couleur? On a une couleur un peu à l'ancienne ou. Je sais pas ce que ça change, mais ça change. Allez, 30 000 balles. Oh là là, quel budget. Est-ce qu'on se rachèterait pas un petit tracteur pourri?
Alors, qu'est-ce que je peux vous proposer dans les modes que j'ai? Ah, j'ai ça aussi. Non? Pour tirer, non? Non, je déconne. Là, j'avais mis au cas où on voudrait partir en sucette, mais qu'est-ce qu'on peut prendre? Qu'est-ce qu'on peut prendre dans les tractools? Ah bah tiens, si, on peut se prendre le Renault, tiens. Allez. Allez, le Renault en 100 chevaux, brut de fonte. On va juste virer la plaque parce que la plaque, on s'en bat les reins. Allez, brut de fonte tel que, vas-y hop, ça fera plaisir à tout le monde. Je sais que vous aimez bien les Renault. Hop là. Et au pire, ça fait un peu comme le Hurlyman de tout à l'heure, il est orange et blanc. Peut-être pour ça qu'il boudait tout à l'heure, le Hurlyman. Il a dit non, je suis pas Renault. Bon, tout le monde a dit NH, ça tombe bien, j'ai pris NH. Bon, c'est bien, ramasse un peu large. Alors, ça, vous voyez, par exemple, c'est un mode que Kidri nous a conseillé. Une bonne vieille petite NH comme ça, à l'ancienne, qui doit dater, à mon avis, des années 80-90, pas plus. Donc voilà, ça c'est le genre de mode que notre cher Kidri peut vous conseiller. Bon matos, bien carré à l'ancienne. Ah, c'est pas du plastoc, hein. Ah, c'était de la bonne ferraille à l'époque. Hop là. Ah, ça repartit. Donc ouais. Non, non, ça va être sympa, hein, à balayer avec ça. On achètera peut-être un plateau auto load quand même. Mais c'est marrant de jouer avec du matos à l'ancienne. Moi j'aime bien maintenant. Autant au début du jeu, j'avais une tendance à ouais vouloir être dans la rentabilité, on va dire ça comme ça. Être vraiment dans le on bombarde, on achète des tracteurs assez balèzes quand même, de manière à pouvoir rouler correctement, rouler vite, tracter fort. Mais au final, ouais, c'est bien parce que c'est rentable, bah c'est rentable. Sur le coup, ça paraît rentable. Mais quand on voit le prix du matériel et quand on voit ce qu'on gagne avec un champ, bah des fois, vaut mieux acheter du vieux matos à pas cher, parce que le champ il rapportera exactement pareil. On va mettre plus de temps à le récolter, mais bon, le but c'est de jouer aussi, donc. Bonne ferraille de l'époque. Bah maintenant, elle est recyclée, hein, mais. Bah ouais, c'est con, on aurait dû garder un petit peu ce côté métallique. Non mais le pire, c'est que c'est là où c'est absurde. C'est que à l'époque, on faisait du métal. C'était solide, c'était résistant, mais c'était lourd. Après, ils ont dit, ah ouais, non mais pour alléger, on va passer au plastique. Et puis ça les arrangeait bien parce que comme c'était un petit peu plus fragile, ça leur permettait, voilà, de remplacer les choses un petit peu plus fréquemment. Bon. Mode de consommation actuelle, on connaît le concept. Mais aujourd'hui, on revient sur des voitures qui sont plus lourdes, qui reconsomment plus, donc c'est débile. On a tout fait pour alléger les choses, pour que ça consomme moins, pour que ce soit moins justement énergivore, et aujourd'hui, on en fait des voitures, des machins, des trucs ultra lourds, qui bouffent du pneu à gogo. Donc, ouais. Le paradoxe, c'est comme dire aux gens d'acheter des voitures électriques et à côté de ça dire qu'on manque d'électricité et qu'il faut faire des économies d'électricité chez soi. C'est un paradoxe. C'est surtout une grosse connerie, mais... Avoir du rendement. Ouais, je pense qu'il va y avoir quelques petites balles, hein. Bah c'était du triticale ou c'était des poutres, ça je sais même plus. Culture spécifique à la map.
Je sais même plus ce que c'était, j'ai même pas. Petite sauvegarde, bien évidemment. On était sur de l'épeautre, je crois, ouais, c'est ça. Non, on était sur du triticale. Tant pour moi. Après, j'ai pas vraiment fait gaffe au niveau de. De la rente, bah de la quantité de paille, si le triticale faisait plus que le blé et l'orge, ou si c'était à peu près pareil. J'ai pas fait de test là-dessus. Bon, après, niveau thune, c'est quand même plus rentable. Ça, on le sait. Maintenant, niveau paille, je sais pas. Mais là, on va faire quelques balles, hein. Ça va être sympa. Bon, après, on va peut-être pas faire que ça, mais on va regarder s'il n'y a pas un petit coup d'ensilage à se faire avec la katana dans un champ pas trop loin. Je l'ai pas testé, la katana, j'ai envie de la tester en fait. Cette petite katana, si je ne dis pas de bêtises, c'est du LSFM aussi. Pour les joueurs PC, bien évidemment. Meilleur en paille aussi, ouais. Bah, ça m'étonne pas. Hein. Parce que j'ai pas souvenir d'avoir des andins comme ça sur du blé. Hein. Quand tu vois que à peine t'avances direct, tu fais une balle. T'es joueur PC, Michel? D'accord. Salut Julien, bienvenue. T'as mis ton pouce impeccable. Merci pour le joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Comment va Julien? Alors j'ai un peu le nez bouché, hein, vous m'excuserez, hein, je renifle un peu par moment, mais. C'est juste que si je laisse couler, c'est dégueulasse, quoi. C'est bon. Berk! Ouais, donc Michel, t'es sur PC. D'accord. Eh ben, sur PC, il y a quand même des petits mods sympathiques. Et pour ceux qui connaissent LSFM, ils ont fait des petits trucs, là, ils ont. Des petits mods sympas qui sont sortis là récemment. J'aime bien ce qu'ils font. J'aime assez ce qu'ils font quand même. Ouais, c'est rentable, hein, ça en fait de la balle. Hein. C'est de la balle, comme diraient certains. Vraiment, Tintin. Chien, un peu chèvre. Puis on est. Ça y est, fallait qu'il y en a qui commencent. GG, Monsieur Meilleur. Des GG pour Monsieur Meilleur, s'il vous plaît. Merci beaucoup, mon ami. Ça commence. Alors, normalement, Streamlab était censé se sortir les doigts en ce moment. Je sais pas, mais ça va arriver, ça va arriver. Pourtant, je l'ai réveillé ce matin, Streamlab. Hein. Normalement, je suis même connecté à Streamlab. En me disant peut-être que si jamais il y a des trucs, on les aura dans les temps ce coup-ci. Bah non, toujours avec un délai pas possible. Non, surtout que j'ai refait les petits logos pour la journée spécialement. Attendez, hop, on va faire un truc. Pendant que ça sort, on va aller jeter un œil quand même. Pourquoi Streamloop? J'avais refermé. Ah. Voilà, avec le petit gâteau d'anniversaire quand même. Encore un gros GG à toi. Alors, il est où mon Streamlab, mon machin là? Streamlabel. Alors, t'as mis du temps qu'ici t'arrives? Coquinou, va. Bon, il est bien connecté. Je vérifie en même temps que Streamlab est bien connecté parce que. Ah, et ben, ce qui est bien, c'est qu'il me dit quand même, il y a 2 minutes. Tu vois, quand t'arrives sur la page, il te dit, il y a 2 minutes, on m'a demandé de faire une alerte, mais je viens de me réveiller. C'est bien, parce que même Streamlab est au courant de sa lenteur. C'est bien. Toc, 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 toc. Et encore, merci beaucoup. Hein. GG, Cédric. T'as bien fait, bien fait faire. Bah, je vais te dire ça ce soir, hein, Hervé. Je pense qu'on va faire la fête. Hein. Bah, on va faire la fête. Alors, je vais surtout faire la fête demain soir. Parce que.
Je fais la fête aussi avec ma fille et ma femme. Hein, je ne fais pas la fête qu'avec ma femme. Et comme ma fille a école demain, ce soir, ça va être soft. Et elle n'a pas école mercredi, donc je pense que demain soir, on va se faire un petit resto, un petit truc en famille. Ça va être sympa. Donc je pense que je profiterai plus demain. Demain et sûrement ce week-end que ce soir. Mais bon. N'empêche qu'on prendra peut-être un apéro quand même, hein. Pas déconner. Bon allez, on continue un petit peu les balles. Et encore des gros GG! Allez, tiens, hop. Applaudissements. Ah. On va essayer de rester zen. Tiens, petit coup de fouet pour la peine. Je sais que t'aimes ça. Alors, hop là. Excuse, je t'avais pas vu. Ah là là. Ah, t'étais concentré. T'étais concentré sur le super chat. Bon, et du coup, ça joue sur quoi en ce moment? Tout le monde est sur Palenier ou les meilleurs sont là? Eh ouais, Hervé, on est bien d'accord. Ah, Noé serait là, nous dirait qu'il joue sur une map australienne ou américaine, mais. J'aime bien. Tiens, c'est un cadeau, Noé était pas là, mais. Le cœur y est. Hop là. Tiens, d'ailleurs, monsieur Meyers. Tu m'avais suggéré la dernière fois de faire un petit son sur le stream deck. Et tiens. Oh, alerte au gogol, les enfants. Voilà, je l'ai. Ça y est, il est là. Il est là, il est là. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est South Park. Voilà. C'est le professeur qui dit ça à un moment. Non, pas Palenier. Bon, Mika, t'es pas sur Palenier? Oh. T'es sur quoi? Tout le monde est sur Palenier aujourd'hui? Je rigole, hein, bien évidemment, mais. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de joueurs sur Palenier. Je serais curieux de savoir combien il y a eu de téléchargements de la map. À mon avis, c'est un chiffre qui est complètement insane. Putain, merde, 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 merde. Recule, recule, roucoule, roucoule, roucoule. Mais merde. Ça, j'aurais pu le faire tout seul, ça. Qui couillon. Trop cool, c'est pour Fredo. J'ai pas suivi, Tintin. Salut Jérémy. Une question, je suis sur Palenier, je cherche une remorque autoload qui prend toutes les palettes Big Bag. J'ai été voir. T'adhères pas, Mika? Après, ouais, c'est qui tout double. Hein. De toute façon, c'est comme la plupart des maps, hein, si ou t'adores ou t'adores pas. Bah, le sound. Ah, ok. Oui, d'accord, Tintin. Excuse-moi. Remorque autoload. Quelle remorque autoload? Bonne question. Après, en remorque autoload, t'en as qui marchent très bien, mais qui sont. C'est des plateaux de camions. Ou après, t'as le mode autoload. T'as un mode qui te permet, si je dis pas de conneries, mettre tous les plateaux en autoload avec toutes les. Comment? Toutes les. Tous les types de palettes. Merci, Jérémy, en fait. Après, moi, j'autoload pas forcément mais comment? Mes palettes de prod, donc voilà. Autoload pack, dit Tintin. Alors, attends, on va faire un truc. Il est sur le bottom, en plus, il me semble, autoload pack. Attendez, hop. On va regarder direct. Autoload. Voilà, autoload. Autoload universel. Homemade bell machin. Autoload pack. Il est où l'autoload pack?
PS console. Ah ouais, normalement l'auto pack il est crossplay. Hein. Justement, je suis en train de te le chercher, je vais te mettre le lien direct. Bah il est où? Autoload de wood? Non, c'est pas ça. Autoload pack, ouais, c'est ça. PC, Mac, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. Clac, copier le lien. Et je te colle ça ici. Coucou mon Vince. Salut Alexandre. Oh, tout le monde arrive en même temps. C'est cool. Comment ils vont? Merci pour joyeux anniversaire. Ça fait plaisir. Ok. Donc, ça c'est fait. L'autoload pack. C'est bon. Mais ouais, dans ce mode-là, normalement, t'as plein de trucs qui peuvent t'aider justement pour l'autoload. Après, j'ai pas. Moi, je m'en sers très très. Bah, je m'en servais avant de l'autoload, mais plus le temps passe, moins je me sers de l'autoload. Ou vraiment de temps en temps, occasionnellement, sur des trucs assez précis, mais c'est rare quand même. Il fonctionne sur Minitel. Impeccable. Ça, je dis pas le Minitel. Hein. Eh, moi j'ai connu le Minitel. Hein. Avant, t'appelais les renseignements pour un numéro de téléphone. Après, t'as eu le Minitel où tu pouvais mettre le nom, machin. T'avais tous les détails. C'était une horreur. Ça mettait trois plombes. Ça coûtait ultra cher. Quatre-vingt-six ans. Ah, les bâtards. Merci, Fins. Regardez les genoux, ils sont en train de tous faire les marioles. Oh là, le vieux, le vieux, le vieux. Ah ouais. Ouais, en pleine forme. Même mon père a pas 86 balais. Même ma mère non plus d'ailleurs. Pas encore, bientôt, mais pas encore. Ouais, il y a des chances, hein. Il y a des chances que Monsieur Kid, la map à Franchois, pourrait lui plaire. Après, ce qu'il y a, c'est que pour l'instant, bah, elle est que PC, quoi. Elle est que PC parce que Giant lui a pas passé en crossplay, donc c'est pour ça qu'il est en train d'essayer de voir avec. C'est pour ça qu'il est passé tout à l'heure de nous demander. Mais il est en train de voir avec Giant, justement, il a envoyé un message normalement aujourd'hui pour savoir bah, pourquoi elle n'est pas crossplay. Donc potentiellement, attendez-vous à ce que bah, ça soit corrigé et que ça sorte en crossplay d'ici quelques semaines. 3615 ULA. Oh la vache, ouais, putain, ça date. J'ai jamais, alors, franchement, réellement, hein, je n'ai jamais testé ULA parce que j'étais déjà trop jeune à l'époque. Même si j'ai connu le Minitel, mais non, jamais attiré par ces trucs-là, tu vois, le Minitel rose, ce qu'on appelait à l'époque. Mais je vois que toi, tu connais, par contre, t'as l'air de bien connaître le truc. C'est Grim qui m'a fait. Bâtard. J'allais bien dire un truc, mais. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Thérèse. Je vous mettrai pas la suite. Mais. Voilà. Ouais, tiens. Ça, c'est cadeau, Mika. Ouais, non. Mon Dieu. Ah, vous. Mais GG? GG, Papy Grimm. Mais oui, qui c'est qui a fait ça? Mettez vos noms, assumez. Putain, attends. Attends. Je vais le savoir. GG à. GG à. GG à. Ça me le dit pas? C'est Vincent? Ça me l'a pas marqué, si, ça me l'a marqué, j'ai pas. Bon hop mon Vince. À bientôt. Bah, de toute façon, il y a encore un live cet après, mais un live tonight. Hein, donc si ce soir t'es dispo, DMZ, hein, je pense. Ah bah c'est Monsieur Fredo, bah évidemment, je m'en doutais pas du tout. Monsieur, je fais mes petits coups en douce. GG Fredo! Tiens, je te remets des applauses.
Ah là là. Et content. Tiens, un petit coup de fouet, ça te fera la bite. Comment ça va, mon Fredo? Toujours foufou, hein. Il aime bien les faire en douce, comme ça. Ah là là, des GG pour Fredo, s'il vous plaît, dans le chat. Ah là, impeccable. Il y en a qui ont compris le pli, hein. N'oubliez pas les GG, quand même. Oup là, je regarde pas ce qui se passe. Ça y est, je commence à faire de la merde. On sait pas pourquoi, mais GG. C'est ça. Ah, sacré Fredo. Bon, j'ai bien noté ta commande, hein, mon petit Fredo. Eh oui, pour ceux qui le savent, les commandes de mignons fumés sont lancées. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les mignons fumés, bah, fallait suivre un petit peu il y a quelques temps. Mais on a la tata de ma femme qui était traiteur avant, qui fait du mignon fumé à l'apéro. C'est une putain de dinguerie. Et monsieur Ferredo, connaissant un peu le produit, a fait une petite commande. Donc, monsieur s'est lâché. Mais t'as bien raison, quand c'est bon, il n'y a pas de raison. Oui, j'ai vu, il y a celle Lizard Logistic Palette Trailer Total Pack Mode. Ok. Mais tu peux juste choisir certains Big Bang, exemple engrais. Ah oui, tout mélanger en même temps. Je sais pas. Il me semble qu'avec le mode autoload, tu peux le faire, ça. Tout mélanger. Il me semble. 90 berges, ça s'arrose, bordel. Ah, les salauds. Il y a Vincent qui, il y a 3 minutes, me dit 86. Toi, tu dis 90. Attends quand ça va être ton tour, toi. On va se marrer. C'est plus un poisson qu'on va t'appeler. C'est Monsieur Arrête. Il n'y aura plus que les arrêtes. Le meilleur, Fredo. Ah oui, tata cuisine bien. Oh oui. Salut Lilou, comment vas-tu? Ah ouais, tata cuisine très très bien, ouais. Ah ouais, ouais. Ouais. S'entend, eh vas-y! Qui dit mieux? Ah les mecs, ils sont amoureux aujourd'hui, hein. Vous m'en voulez ou quoi? Tiens, petit coup de fouet aussi, Hervé. Et cadeau. S'entend, non mais... Alors comme on dit, hein... C'est dans les vieux pots qu'on... Voilà, mais quand même... Arrive un moment, ça va sentir le roussi quand même. Hein. Tu te portes bien pour ton âge. Ah, tu m'étonnes. Si vraiment j'avais 100 piges avec cette gueule-là, je serais dans le Guinness Book, hein, je pense. Je les fais pas. Bah, tu m'étonnes, je les fais pas, j'en ai la moitié. Même pas. Merci. Les mecs, je les fouette, ils sont contents, ils me disent merci, mais j'hallucine. Mais Hervé, enfin. Merci, Lilou. Ah là là, bande de fous. Bon, on va s'arrêter à 100 ans, hein, c'est bien. 86, 90, 100. Réellement, j'en ai 26. N'importe quoi. Bande de jaloux. Vous êtes jaloux, c'est tout. Le corps de rêve. Comme je dis toujours, j'ai le corps d'un dieu. Manque de peau, c'est Bouddha. Pensez à vous... Et oui, tiens, et on oublie, merci le stream deck. Et merci Hervé de le rappeler. On n'oublie pas les pouces. Mais, ouais. Bah, surtout qu'aujourd'hui, voilà, comme je l'ai dit, aujourd'hui, il y aura 3 lives. Il y a le live de ce matin, hein, qui est déjà bien, bien attaqué, hein, où on a pas fait grand-chose, d'ailleurs. On papote beaucoup, mais on a fait quelques balles, quand même, hein. Et puis on roule avec du matos un peu à l'ancienne. On n'est pas sur du vieux, hein. Mais on n'est pas sur du jeune, hein. Là, on est plus années 90. J'aimerais transporter engrais, chaux, semences, 8 big bags de chaque pour faire un stock. Bah regarde avec le pack qu'on t'a conseillé, si ça marche, après, faudrait chercher un petit peu. Au pire, n'hésite pas à demander sur le Discord, parce que là en live c'est pas évident de chercher, mais n'hésite pas à demander sur le Discord et comme ça toute la commu pourra potentiellement t'aider, c'est plus simple. Et c'est terminé, c'est quand même maintenant...
Ouais, alors cet après-midi, voilà. Là, le live de ce matin, je suis à la cool, tout seul, tranquille, sur Palonnier, dans un petit coin. Mais bon, j'aime bien le petit côté avec le petit pont et tout ça. Là, c'est vraiment les champs les plus plats de la map. On est, voilà, si vous savez pas où on est, bah tiens, petite sauvegarde, comme ça vous le voyez bien. On est ici, hein, on est vraiment sur en bas à droite. Donc tous ces champs-là sont plats. Là, ça monte un peu. Là, ça grimpe vénère. Mais du coup, là, voilà. Petit live tranquille, chill ce matin, Palonnier tout seul. Cet après-midi, serveur avec la team. Où là, comme dit Cédric, je vais les exploiter un petit peu. Moi, je vais papoter, eux vont travailler. Il y a des chances. Non, j'ai bossé. Eh, oh, j'ai encore bossé pendant les offs. Salut Michel. Comment va? C'est ça. Ouais, mais regarde, hier, on a été invité par Kidri, on a taffé. On a taffé. Fais ci, fais ça, range-moi la remorque ici. Va t'occuper de ça. Ah non, non, hier c'était strict. Hein. On a pris des coups de fouet et tout. Mais de rien, j'arrive. C'est aussi ça un petit peu le but de la communauté. C'est on est tous joueurs la plupart. On a 95% des gens qui regardent la chaîne, on est tous des joueurs. Alors pas forcément que farming, mais on est quasiment tous des joueurs, donc faut pas hésiter. Hein. On a un Discord, il est aussi fait pour ça. L'entraide, c'est le principal dans le jeu vidéo. C'est ce qui compte. Faire des lives, c'est bien, mais c'est aussi le but, c'est d'être tous ensemble et de jouer tous ensemble. Et si ça peut aider de voilà, d'avoir des petits contacts à droite à gauche. Pas hésiter. Hop, bon, bah ça c'est fait. On va pas les ramasser, hein, on va pas s'embêter. On va essayer de se trouver un truc à ensiler là. J'ai bien envie d'essayer de trouver un petit truc à ensiler. On va quand même faire les choses bien. On va les ranger tout ça dans notre très jolie ferme de Monsieur Massette. Enfin, de Monsieur Massette, de l'équipe Massette Studio, parce qu'il est pas tout seul. Voilà. Rendons à César la gloire de César. Est-ce qu'on a... Non. Est-ce qu'il y a un truc à ensile dans le coin? Tournesol, il y a 18 qui est pas très très loin. Le 18, il est dans quel état d'esprit le 18 là? Il est chaud, il est pas chaud. Il est très très vert. Hein. Il est pas prêt d'être... Il est pas prêt de... Il est pas prêt de... C'est con, j'aurais bien fait un petit peu de... C'est quoi le vin? Ah, le vin, c'est de la moutarde. Le vin, c'est de la moutarde. Qu'est-ce qu'on se fait? Bah oui, je sais, Fredo. Vu que t'as joué pendant qu'on jouait... C'est quand avant-hier? Ou c'est hier? Non, c'est quand qu'on a joué? Je suis perdu. Ouais. Non, c'est pas qu'on a joué, t'étais en train de jouer pendant que ça jouait de l'autre côté. Ah si, c'est avant-hier. Eh, je suis complètement... on voit que j'ai pas beaucoup dormi du week-end. Ça marche, Kid. Ça marche, ça marche. Et c'était hier. Salut, Luclem! Comment vas-tu? Renoué. Bon, on va aller se faire de la moutarde, hein, je pense. Ah ouais, mais j'ai pas de remorque pour ma barre de coupe. Et on va s'acheter un tapis. Ah bah non, j'ai même pas de tapis. J'ai même pas de tapis. Bon, on va s'acheter une petite. C'est vraiment histoire d'avoir de quoi passer le time, hein, mais. Je vais ma petite caravane pour passer le temps. Voilà. Ça va pas avec le reste, mais c'est pas grave. Le but, c'est vraiment d'essayer de faire de l'ensilage. Avec le machine. Et comment il va, mon Clem, du coup? Il va bien? Ça va, ça va? Bon, bah, ça va, ça va. Alors, c'est à partir de... On est sur quel... On est sur du précoce, ben, impeccable.
Hop. La petite machina. J'ai envie de tester en fait ce truc-là. Je l'ai mis sur la game juste pour la tester en fait. Parce que je la trouve délire avec cette couleur-là. Je suis pas sûr que ça passe la porte d'entrée. Je vais quand même tester. Oh bah si, ça passe. Ça passe large. Il est où d'ailleurs le champ que j'ai envie d'ensiler? C'est le 18. On va l'acheter, peut-être c'est mieux. C'est un peu mieux. J'ai oublié de prendre la remorque. Zone plaçable. Ouais. Pourquoi zone plaçable? C'est-à-dire? Ah, sur la map? Non, j'ai tapé dans le champ. Là, j'ai tapé dans le champ qui est... voilà, celui qui est là, le 10, 19. La zone plaçable, je crois que c'est ici. Hein. Non, non, là, j'ai tapé dans les champs plats, 19, pour faire la ferme. Le gars, il est Neston, dans une... Ouais, non, mais c'est... Oh, quoi, attends. J'ai une MX-5, tuning. J'ai un petit M4, 3 litres. J'ai une Aston V12. Ouais, et alors? J'ai un Renault, j'ai un Hurleyman en panne, qu'on n'a jamais réussi à démarrer. Voilà, il veut pas démarrer. J'ai une Ford Swift en moisse batte et un Kramer. Et à côté de ça, j'ai une Katana 1050. Oui, bon, bah, il y a des disparités dans le matériel, mais... J'aime bien. Ouh là, il y a un fossé. J'ai failli finir dedans. Ah non, mais là, ce matin, on est en mode à la cool. J'ai envie de tester les trucs. Putain, mais c'est pas du... C'est du tournesol. C'est pas du maïs. Je sais pas si je peux le lancer. Eh, tu sais quoi? Qui ne tente rien n'a rien. On va vite le savoir. On va déplier le machin. Je mettrai une remorque après. On va déjà faire un test. Info riche. Ouais, c'est ça. Ah, mais si, ça le fait. On va aller chercher du coup. Un tractor. Un faux riche ou un vrai pauvre. Mais je serais plutôt sur le faux pauvre. Petit matos, hein. Tout petit matos. J'ai pris la plus grosse benne en silage du jeu. Tout va bien. Par contre, celle-là, dès que tu dépasses les 50 km/h, t'as le tracteur qui te dit d'aller te faire voir. Alors, on va essayer de s'aligner ça. Merde. S'est mouillé les pieds, mais c'est pas grave. Ah, j'étais en train de dire comment ça, je peux pas l'accrocher. Ah, ça m'aurait pas fait marrer. Et c'est parti pour un ensilage. Ah ouais, elle a la santé, la machine, là. Ensilage à 13 km/h, j'aime bien. J'aime beaucoup cette petite machine, sachant qu'en plus on peut gérer toutes les couleurs. Là, la barre de coupe est à 3 ou 4 couleurs au choix. J'ai fait un mélange de différents verts pour rappeler un peu le petit délire à l'arrière. Mais c'est pas mal. Mon niveau rentabilité, c'est pas exceptionnel, mais... Elle a la classe quand même, petite katana là. Ça crache, hein. Ça crache de ces... Enfin... C'est l'heure de... Ça roule, mon petit Fredo. À tout à l'heure. Donc, encore un live cet après, mais un live ce soir. Hein. Pour ceux qui voudraient repasser plus tard, vous inquiétez pas, on sera là.
Pas de soucis, 3 lives aujourd'hui, c'est mon birthday. Je fais ce que je veux. Comme je l'ai dit ce matin, c'est mon anniversaire, c'est pas celui de ta mère. Ouais, c'est pas très violent en silage tout ça. J'ai même pas acheté de bunker. Je l'ai vraiment monté à l'arrache hein, la ferme ce matin. Hein. Vraiment monté à l'arrache. Alors, tiens d'ailleurs, petit rappel, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Du coup, ouais, comme je vous disais, donc cet après-midi, on sera avec l'équipe, avec la team, sur, bah, pas l'aîné, mais sur notre partie multi sur le serveur. Donc on a dépassé les 60 heures de jeu, hein, déjà. Donc on se marre bien, je vais les exploiter un petit peu cet après-midi. Comme l'a dit gentiment Monsieur Meyers tout à l'heure. Non, je vais bosser quand même un peu. Et ce soir, il y a de grandes chances qu'on aille se faire défoncer en DMZ. Comme on a l'habitude de le faire. Bon, après, en espérant que ce soir, ce sera plus cool que vendredi. Parce que vendredi, on y a été... Non, c'est samedi qu'on y a... Je sais plus c'est quand on y était. On s'est fait déboîter toute la soirée par des joueurs qui ne cherchaient qu'à déboîter des joueurs. Donc, c'était un peu plus... C'était pas plaisant. À la fin, ça devenait vraiment relou. Donc, bon. On verra. Je suis à 17 environ. Y'a pas de soucis, on sera sûrement encore là. Je pense que cet après-midi, on va démarrer vers les 14h et on va aller jusqu'à 18h à peu près. Je pense quelque chose comme ça. Et après, ce soir, on rattaquera à 23h30, sûrement. Jusqu'à 2h du matin, par exemple. On verra en fonction de comment ça se passe et qui est là, pourquoi, comment, etc., etc. On verra. Ça dépendra aussi de mon état, hein, si je suis... complète torpille, ce qui m'étonnerait, mais on verra bien, on verra bien. Pour l'instant, on est encore sur live de ce matin. On va jouer encore, 20 minutes, je pense. On va aller jusqu'à midi et demi, parce que je commence à avoir faim, je vous avouerai. Et puis on reprendra gentiment cet après-midi vers 14h, normalement vers 14h. J'aimerais bien vers 14h. Pas des gueules ensemble quand même. Hein. Là on est à l'américaine. T'as vu Noé? À l'américaine. À l'américaine sur Palonnier, c'est pas mal quand même. On peut le faire. On peut le faire. T'as jamais vu parce qu'on est en pleine côte. La machine elle a 42 000 litres à l'arrière. Zéro changement de vitesse. Hein. Ça ramasse à 13 km/h, peu importe la pente, peu importe. Tout va bien. Tout va bien, c'est un monstre. Mais de rien, monsieur Hervé. J'essaierai de te faire de la pure en première partie de soirée. Bah merci, monsieur Mika. Tu live ce soir? Mon avis, on va pas aller bien bien loin. Ce qu'on va faire, on va redescendre. Je tente un demi-tour ici, mais ça va être un petit peu short. Ouais, c'était un peu short, mais ça passe. On va redescendre comme ça. Retour de la team sur FS. Ben, impeccable. Impeccable. Il faut. Quelle heure? Fais-toi un coup de pub, tiens, si tu veux. Oups là. Il est vraiment super. Hein.
Bon, après, j'ai pas pris le plus joli des verts, mais bon, je l'ai fait un petit peu à l'arrache vite fait, pareil. J'aime bien les petits camo gris là qu'ils ont fait là. H30, eh ben impeccable. Faut peut-être que je décroche la remorque, ça peut aider. Occasionnellement. Ben on va couper par là. Hein. Oula, il y a un peu de poids. Le 724, il prend des chassés avec la remorque là. On dirait les couleurs de boisson. C'est ça, ça fait un peu Monster. Hein. Très, très, très léger. Ouais. Très, très léger. Je vois vraiment pas de quoi tu parles. Où est-ce qu'on va se le mettre, le silo? J'ai pas pensé à mettre un silo. Un petit silo là, un petit silo à la massette, y a pas un petit silo à la massette là? Ils sont où les petits silos de Monsieur Massette? Je les ai pas? Oh bah j'ai un comme ça, bah tu sais quoi, on va se le mettre là, hein, tant pis. Hein. C'est vraiment histoire de faire quelque chose. Là, je vous le fais à l'arrache. Hein. Vous m'excuserez. D'habitude, je prépare pas les parties comme ça. Mais là, pour le coup, pas le temps. Pas le temps. Donc, hop. On va se vider ça gentiment. De toute façon, il nous reste un petit quart d'heure avant la coupure. Ah, c'était juste histoire de s'amuser un petit peu ce matin avec vous. On va détruire tout ce qu'il y a là. Voilà. Roule dans les cultures, écrase-moi tout ça. Ça passe. Hop, le petit chassé. Mon Dieu, j'ai failli finir la flotte. Hop là. Et ben bah c'est reparti. Hein. On y retourne. Mais c'est vrai qu'elle est très sympa, la petite katana comme ça. J'aime beaucoup ces petites couleurs là. Ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Bon alors après c'est un monstre. Hein. C'est un monstre de 1000 chevaux. Ça, on assume. Mais en chrone aussi, il y a le même délire là avec le Harvest Pack là. Je sais pas si vous l'avez vu ce mode là, là. Il est où le pack Harvest de LSFM où toutes les design éditions. Non, c'est où? Voilà. Vous avez tous les délires, ils se sont tapés tout un délire avec les couleurs. Donc non, c'est Fandard. Et puis ils l'ont fait du coup bah, sur les ensileuses aussi. C'est dans design, non, c'est dans quoi? Rolling, voilà. Donc, vous avez vraiment tous les délires de. Et je trouve ça assez Fandard parce que du coup ça permet d'avoir du matos qui change un peu. Et du coup j'aime bien. J'aime bien parce que c'est bien réalisé. J'ai appris avant que tu m'as conseillé, j'espère que le je peux changer. Après, le mieux, c'est prends la remorque, lance une nouvelle partie, teste la remorque, si ça te va, mets-la sur ta partie. Moi, je fais comme ça généralement, comme ça au moins t'es pas déçu. C'est vite d'acheter un truc sur ta game, dépenser de l'argent, si ça te va pas, bah t'as dépensé de l'argent pour rien, tu perds la moitié, c'est. Ouais, c'est un peu relou, tu vois. Donc essaye-la à côté et puis tu verras bien. On peut ensiler du tournesol, ça va. Ah oui, tu peux, oui.
Tu peux même le faire en précoce. Parce que là, je suis en train de l'ensiler en précoce. C'est-à-dire qu'en précoce, il va te générer plus d'ensilage que s'il est à terme. Comme le maïs. Le maïs, tu peux l'ensiler le mois avant qu'il soit mûr. Et il te générera plus d'ensilage que si tu l'ensiles mûr. Petites astuces à savoir, ça. Je sais pas si j'avais fait des vidéos au début du 22 pour expliquer tout ça. J'avais fait des vidéos explicatives de voilà, comment faire certaines choses. Il y a même certaines vidéos qui sont un petit peu plus vraiment d'actualité parce qu'il y a des trucs qui ont été modifiés par Giant et du coup ça ne fonctionne plus. Mais j'avais fait pas mal de petites vidéos tuto au début du 22. C'est un peu ça qui a fait connaître la chaîne d'ailleurs au début. Là j'ai 3 semaines presque complètes. Petite idée pour les 800, tu fais une partie ouverte. Ouais, j'y avais pensé, mais j'ai pas eu le temps de mettre le truc en place, donc je le ferai sûrement pour les 9. Les 900. On fera un truc un peu plus communautaire, je pense. J'y avais pensé, mais j'ai pas eu le temps de le mettre en place. Et ce matin, ça aurait été trop tard pour le faire ce matin. Bah bonne journée aussi, Mika. Mickaël, pardon. Et après, vous appelez tous Mika aussi. Hein. Miniature de toutes les cultures. Ah, c'est ça. Bah, c'est maintenant, au moins, Julien, tu sais qu'on peut le faire. Y a un intérêt à venir sur les lives. Il y a un intérêt. Découvrir des choses. Ça, c'est cool. Ça fait un bout de temps que ça fonctionne comme ça. Hein. Ça, depuis le début de. Même sur le 19, je crois qu'on pouvait le faire déjà. Même sur les autres, je pense. Ouais, non, c'est plus rentable. En volume. Hein. On parle vraiment en volume, en ensilage. Après, c'est sûr que bah, tu peux pas la récolter avant sa maturité, normalement. Mais en ensilage, non, non, vaut mieux le récolter en précoce. Qui, théoriquement, est pas bête, vu qu'il est encore humide. Il n'a pas eu le temps de sécher, donc il a forcément plus de matière, quoi. Chuchu. Tu peux. Ça fonctionne. Après, tu peux l'ensiler quand il est sec, hein. Tu peux l'ensiler mature, hein. C'est pas le souci, hein. Mais c'est vrai que ça s'ensile, ça s'ensile. Maïs, tournesol, les deux, ça fonctionne. Sur les 7 PC. Ah bah ouais. Bon, je pense qu'on va faire cette benne-là, on va aller la vider, on s'arrêtera là pour ce matin. N'oubliez pas, du coup, comme je vous disais, cet après-midi, vers les. Ouais, aux alentours des 14h, je pense qu'on fera la deuxième partie, bah, le deuxième live de la journée. On sera avec une partie de la team sur le serveur. De la team, du coup, sur Palonnier, pour ceux qui ont suivi un petit peu. Ce sera pas notre premier live, hein, du coup, sur le serveur. Et puis voilà. Alors j'espère que ça déconnera pas trop parce que là du coup je vais jouer avec le PC et pas avec la console. Donc on verra. On verra. Bon après si je me fais éclater 2-3 fois, on se reconnectera au fur et à mesure. Hein, tant pis, c'est pas trop grave. Mais autrement vous n'aurez pas ma gueule, c'est pas drôle. Donc ça sera pour cet après-midi et ce soir on sera donc sûrement en DMZ, je pense. Avec les copains de dispo pour entre guillemets finir cette journée anniversaire. Voilà. Parce que c'est pas tous les jours qu'on a 46 balais. 46, je précise, avant que certains me redisent 86, 96, 100 ans. Bande de petits salopios.
Bah, je l'aime beaucoup, hein, cette petite Fender. Pas foutre en contre-jour, hein, ça me gagne. J'aime vraiment beaucoup cette petite machina. Hein. Très sympatoche. Hop. Voilà. Et on me remet 86. Ah, les salopards. Tiens. Tiens, Julien. Cadeau. En rentrant, je ferai sur ton LAN et un autre PC et téléphone. Bon, la tâche, je vais manger. Bon app, mon petit Mika. Tu vas t'y perdre. 4 grammes. Ouais, on verra mon nombre de grammes ce soir. Je sais pas combien je serai, mais. Non, la semaine, généralement, pas trop. Bon, là, après, c'est un petit peu différent, mais. 46 fois 2, ça fait 92. Ouais? Ouais, d'accord, Mika. On est d'accord. Si on compte les deux jambes, ça fait 92. C'est quoi la différence entre engrais solide, corn kali et engrais solide normal? Aucun. Aucun. Le prix. En fait, t'en as un qui est en big bag de 1000 litres et t'en as un qui est en big bag de 1000 litres. Non, en fait, il y en a un qui est en big bag style palette carrée avec la cage métallique et l'autre qui est en sac tout con. Mais techniquement, c'est de l'engrais, ça fait exactement la même chose. La seule différence, c'est le prix. Je crois qu'il y en a un qui est un peu plus cher que l'autre. Donc, puis après, il y en a un qui prend le sac en lui-même prend un petit peu moins de place que la palette Big Bag. Mais bon. Après, la palette Big Bag peut se ranger dans des racks à palettes. Le sac Big Bag, non. C'est-à-dire que si tu as des étagères autoload, et que tu arrives avec ton big bag, il ne rentrera pas dedans, alors que la palette big bag, elle, pourra se ranger dedans. Voilà. 106 déchets. 106, là, de mieux en mieux. Cet après-midi, on va me donner 200 ans. 200 ans, tu vois, ça va vite fait. Ah, les coquins. Les coquinous, les coquinous. Mais n'oubliez pas, hein, cet après-midi, concours, tirage au sort pour les 700 et les 800 abos. Je vous dirai à ce moment-là ce que vous risquez de gagner. Après, il y a deux personnes qui m'avaient laissé un message en me disant que, ah, bah, comme je serai sûrement pas là, si je gagne, je remettrai le lot en jeu. Donc, il y avait Monsieur Draghi qui m'a dit ça et Monsieur Noé. Alors Noé, si t'es là, tu me confirmeras. Au pire, même si t'es pas là, c'est pas grave, hein. Mais bon. À confirmer. Hop! On va se mettre où? Allez, tiens, on va se mettre devant le Rhino. Encore pire, Noé, 246. Allez, non mais Noé, je sais ce qu'il veut. Je vais lui faire plaisir. Allez. Voilà, Noé, il voulait juste un coup de fouet, en fait. Il me cherche depuis tout à l'heure, c'est parce qu'il voulait son petit coup de fouet. Je le sais, je le connais, mon petit Noé. Tiens, Tu d'ailleurs. sors ou je te saute, mais voilà, prendre une décision. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah non, bah c'est bon. Hein. Le petit live de ce matin, bah on va s'arrêter là. Il est midi et demi, on est bien. Moi, j'ai faim, je vais aller manger. C'est dommage, il y a des gens qui arrivent maintenant. Pour ceux qui arrivent maintenant, bah, c'est pas trop grave. Hein. J'ai envie de vous dire, revenez vers 14h. On recommencera la deuxième partie de cette journée. Ce sera le deuxième live de la journée sur Palenier, sur le serveur de la team. Et puis bah, ce soir, troisième live, comme je vous le disais, pour mes 46 balais. Et bah, je vous fais. On va se remettre la map. Pour ceux qui voulaient savoir où je m'étais mis sur Palenier, j'étais en bas à droite. Je vous fais des poutous. Je vous dis bah, cet après-midi. Amusez-vous bien, bon appétit. Merci à tous ceux qui sont passés, merci à tous ceux qui ont fait des dons. Et je vous dis bah, à tout à l'heure. Allez, chouchou les loulous, bise!
Vous êtes encore là? Allez, doubler, fouillez-les maintenant. Ciao, ciao! À bientôt!